Bonjour, chers élèves. Je suis M. Samba Jean-David, professeur de français au lycée. Après l'initiation à la rédaction de l'introduction du commentaire composé que vous avez subi lors de la séance passée, nous nous proposons ce matin de travailler avec vous sur la rédaction du développement. Nous allons travailler, comme vous le voyez au tableau, sur le commentaire composé. Nous allons notamment nous appesantir sur la rédaction du développement. Et vous savez, chers élèves, la maîtrise des œuvres littéraires implique une initiation à l'analyse des textes. Et à partir de cet exercice, vous développerez vos compétences en matière d'analyse systématique du texte littéraire. Et donc, à l'issue de la séance de ce matin portant sur la rédaction du développement du commentaire composé, vous serez capable de rédiger le développement à partir des éléments relevant de l'exploitation des champs lexicaux des centres d'intérêt. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons nous poser quelques questions de mettre de l'ordre dans nos esprits. Et la première, c'est de savoir en combien de parties est subdivisé le commentaire composé. Eh bien, le commentaire composé est subdivisé en trois parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Dans le développement, dans l'introduction plutôt, comme vous l'avez vu la fois dernière, nous avons trois parties fondamentales. Il y a la situation du texte. Vous devrez d'abord situer le texte en vous appuyant sur les éléments du paratexte et certains éléments qui relèvent de votre culture générale. Le deuxième moment de l'introduction, c'est l'idée générale du texte. L'idée générale répond à la question suivante. De quoi s'agit-il dans ce texte? Naturellement, la réponse, vous allez la reformuler. Et si vous avez des petites difficultés, vous pouvez vous appuyer aussi sur les centres d'intérêt qui sont proposés, qui vous permettent déjà de voir ce dont il est question dans le texte à étudier. Et la troisième partie, donc le troisième moment de l'introduction, c'est l'annonce du plan qui correspond simplement à la présentation des centres d'intérêt que vous trouvez dans la consigne de l'exercice. Alors, sur quoi repose le développement d'un commentaire composé? Le développement du commentaire composé repose sur les éléments issus de l'exploitation des centres d'intérêt. Nous venons de le dire tout à l'heure que les centres d'intérêt vous sont proposés dans la consigne. Alors, il s'agit pour vous, à ce niveau-là, de regarder quels sont les différents éléments qui construisent ou qui peuvent construire ces centres d'intérêt. Et lorsque nous parlons des différents éléments, eh bien, il faut voir, par exemple, les éléments de la versification française. Il faut voir les figures de style, les champs lexicaux, les temps verbaux. En fait, tous ces éléments-là vous permettent finalement de construire votre développement et vous alimenter ainsi les centres d'intérêt qui sont proposés. Alors, qu'est-ce qu'on entend finalement par centre d'intérêt? Eh bien, les centres d'intérêt représentent les thèmes majeurs qui se dégagent du texte
et qui servent de repère dans la structure de votre analyse. Autrement dit, les centres d'intérêt qui vous sont proposés dans la consigne constituent comme des idées directrices qui vont vous permettre de mieux structurer votre commentaire composé. Eh bien, nous allons donc passer à l'exploitation du premier centre d'intérêt, mais avant, nous allons relire le texte que vous avez au tableau. Nous allons lire le texte prévu. Et le titre, c'est « Sur la mort de Marie ». Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vie, de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs au point du jour l'arrose. La grâce dans sa feuille et l'amour se reposent, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battus ou de pluie ou d'excessive ardeur. Languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la parque t'a tué et cendre tu reposes. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose. Pierre de Ronsard, le second livre des Amours, 1578. La consigne est donc la suivante. Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous montrerez comment l'auteur, tout en faisant la célébration de la beauté de Marie, évoque le caractère éphémère de la vie. Alors, quels sont les deux centres d'intérêt, autrement dit, les thèmes majeurs qui sont proposés dans la consigne de l'exercice? Eh bien, nous avons deux thèmes majeurs, autrement dit, deux centres d'intérêt, à savoir la célébration de la beauté de Marie et le caractère éphémère de la vie. Nous allons donc commencer par l'exploitation du premier centre d'intérêt. Examiner le premier centre d'intérêt, examen du centre d'intérêt numéro 1. Il s'agit donc de la célébration de la beauté de Marie. Et comme nous l'avons indiqué, il s'agit pour nous de repérer, d'identifier dans le texte tous les éléments qui ont un rapport avec ce centre d'intérêt. Et comme nous l'avons dit, nous rappelons que ces éléments peuvent être liés à la versification, aux champs lexicaux, à la conjugaison, donc aux temps verbaux. Alors, nous allons revoir. Alors, quels sont les éléments du texte qui expriment la beauté de Marie? Quels sont les éléments du texte qui expriment la beauté de Marie? Alors, nous avons, entre autres éléments, le mot « rose ». Rose, et nous sommes au vers 1. Nous avons « ciel ». Ciel.
jardin, feuille, feuille. Il revient encore sur rose. Sa belle. Sa belle jeunesse. Au vers 2. Nous avons également ton corps ne soit que rose. Ton corps ne soit que rose. Et ça, c'est le vers 14, parce que, évidemment, lorsque vous relevez un élément, il faut indiquer le vers dans lequel vous l'avez relevé. Nous avons vive couleur. Vive couleur. Là, c'est le vers 3. La grâce au vers 5. Au vers 5. Nous avons aussi embaumant. Et là, nous sommes au vers 6. Voilà les premiers éléments qui indiquent, qui expriment la beauté de Marie. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi le poète revient-il sur le mot rose? Pourquoi il y a répétition du mot rose? Eh bien, la répétition du mot, la répétition de rose, au début et à la fin du poème indique l'amour, ça c'est l'interprétation, indique l'amour. La beauté sublime de Marie. La beauté sublime de Marie. Alors, tout le monde connaît la beauté de cette fleur, hein, lorsqu'elle éclot le matin. Alors, il n'y a pas seulement la répétition du mot rose qui justifie la beauté de Marie. Nous avons aussi des figures de style. Alors, quelle est la figure de style? Quelle figure de style suggère l'expression « en sa belle robe »? En sa belle jeunesse plutôt. En sa belle jeunesse. Nous sommes là au vers 2. Alors, ici, le poète emploie une personnification. Donc, c'est une personnification. Et vous savez à quoi renvoie cette figure de style, qui consiste évidemment à attribuer à un être inanimé des vertus d'un être vivant, d'un homme. Alors, le poète utilise cette figure de style pour renforcer l'éloge qu'il fait à la femme aimée. Donc, le poète utilise cette figure de style, pour renforcer, l'éloge
qu'il fait à la femme aimée. Il fait à la femme aimée. Et nous savons qu'il s'agit de Marie. Donc, Marie. Alors, à quel autre élément l'auteur fait-il allusion pour renforcer l'évocation de la beauté de Marie? À quel autre élément, donc en dehors de ceux que nous avons déjà relevés dans le texte, à quel autre élément l'auteur fait-il allusion pour renforcer l'évocation de la beauté de Marie? Eh bien, le poète se réfère aux éléments naturels. Le poète se réfère aux éléments naturels. Aux éléments naturels. Aux éléments naturels. Alors, quels sont ces éléments? Nous avons ciel. Nous avons jardin, nous avons arbre, et tous ces éléments, nous les avons au vers 6. Mais il fait aussi allusion à la pluie. À la pluie, et là nous sommes au vers 7, à la terre, là nous sommes au vers 8. Alors, on doit remarquer que tous ces éléments traduisent la beauté naturelle de Marie. Hein, les éléments ciel, jardin, arbre, pluie, terre, eh bien, traduisent la beauté naturelle de Marie. Et nous l'indiquons ici, tous ces éléments traduisent la beauté naturelle de Marie. Naturel de Marie. Bien. Quelle autre figure de style peut-on trouver à ce niveau? Eh bien, on peut retenir que le poète emploie ici une métaphore visant à mettre en avant la femme aimée lorsqu'il dit vive couleur. Et cela il fait référence au teint de Marie. Donc, on relève, le poète emploie également la métaphore visant à mettre en avant la femme aimée. Alors ici il évoque donc vive couleur, au vers 3, et qui fait référence ici au teint de Marie. Référence au teint de Marie. Alors, il y a aussi l'expression « la grâce » que nous pouvons relever. La grâce. Au vers 5.
au vers 5. Et l'expression embaumant qui évoque, évoquant, donc le parfum agréable de Marie. Bien, quels sont les éléments du texte qui justifient la jeunesse de Marie? Parce qu'évidemment, dans cette célébration de la beauté, le poète va jusqu'à évoquer, eh bien, sa jeunesse. Et cette jeunesse-là, évidemment, qui renforce la beauté de Marie. Quels sont les éléments dans le texte qui renvoient à cette jeunesse qui, finalement, renforce la beauté de Marie? On peut relever, retenir le mois de mai. Mois de mai. Et ici, nous sommes au vers 1. Au vers 1. Il y a aussi l'expression « en sa belle jeunesse ». En sa belle. En sa belle jeunesse. Et là, c'est le vers 2. Nous avons également en ta première et jeune nouveauté. En ta première et jeune nouveauté au vers 9. On peut aussi retenir le ciel jaloux. Et là, nous sommes au vers 3. Une autre expression, un autre élément, quand la terre et le ciel, quand la terre et le ciel honorait ta beauté. Quand le ciel et la terre honoraient ta beauté. Et c'est au vers 10. Ah, c'est au vers 10. Bien, quelle explication peut-on donner aux expressions « mois de mai » et « en sa belle » jeunesse, parce qu'il s'agit évidemment d'interpréter ces éléments identifiés. Bien. Nous avons mois de mai et en sa belle. Alors, quelle explication? Eh bien, disons que les expressions mois de mai. Mois de mai et en sa belle jeunesse renvoie à l'éloge de la jeunesse. De la jeunesse de Marie. Et l'expression, cette expression montre que la beauté de Marie est toujours présente, même dans la mort. Même dans la mort, alors,
Nous avons déjà relevé les éléments là. Nous allons continuer ici. Même dans la mort, au point de susciter un éloge hyperbolique lorsque le poète écrit ciel, ciel jaloux. Et nous reprécisons, c'est au vers 3. Mais il y a aussi une expression qui attire quand même notre attention dans le texte. Un extrait, au vers 10, quand le poète écrit « Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté » et qui renvoie évidemment à la beauté toujours de Marie. On relève cette expression « Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté. » Et nous sommes au vers 10. Alors, ce vers exprime toujours la beauté de Marie qui prend une dimension divine. Bien. Voilà les quelques éléments qui renvoient, qui alimentent le premier centre d'intérêt. Mais nous n'allons pas partir à la rédaction du développement sans, disons, reclasser, parce qu'il s'agit de recomposer un texte. Alors, il faut que nous ayons des sous-thèmes, des sous-axes qui vont nous permettre de mieux structurer notre devoir, notre commentaire. Alors, en combien de sous-thèmes pouvons-nous finalement subdiviser ces éléments identifiés dans le texte? Nous pouvons les subdiviser en deux sous-thèmes. Et quels sont ces deux sous-thèmes? Nous avons la beauté de Marie. Donc, mettons les sous-axes pour que ce soit plus clair. Hein, tout ce que nous avons dit, quand nous regardons de près, nous nous rendons compte qu'il y a évidemment la beauté de Marie qui est exprimée dans ces éléments, mais il y a aussi l'expression de sa jeunesse. Voilà pourquoi nous allons retenir ces sous-axes ou sous-thèmes. Sous-axes ou disons sous-thèmes. Bien, donc nous avons petit 1, donc le premier sous-axe, la beauté de Marie, et le sous-axe numéro 2, c'est la jeunesse de Marie. Nous pouvons retenir ces deux sous-axes. Alors,
Ce travail d'identification des éléments que nous venons de réaliser et qui a abouti à l'élaboration des sous-axes de réflexion vont maintenant nous permettre de rédiger le premier centre d'intérêt. Et c'est ce que nous allons maintenant faire. Nous allons donc rédiger le premier centre d'intérêt. Donc, nous mettons rédaction du centre d'intérêt numéro 1. Alors, comment nous l'avons intitulé? La célébration de la beauté de Marie. Alors, nous disons, le poète compare la beauté de Marie à une rose. La beauté de Marie à une rose. Nous mettons l'expression entre guillemets parce que nous l'avons extrait du texte. En ce sens que la rose est une belle fleur. Cela est visible. Dès le premier vers. Cette comparaison est suivie de la littération en me qui rythme le cycle de la vie au printemps. Saison correspondant en Europe au mois de mai. Ronsard use également de la personification de la rose pour mettre en relief la sublime beauté de Marie. La sublime beauté
de Marie, comme on peut le lire au vers 2. Nous citons en sa belle jeunesse. D'ailleurs, à la fin du poème, on note une fusion. Nous allons effacer également ici, puisque vous avez déjà relevé les éléments. Donc, je disais, on note à la fin du poème une fusion. Une fusion entre la fleur et la femme qui ne font plus qu'un, et nous prenons le vers correspondant, ton corps ne soit que rose. Et nous sommes au vers 14. La force de cette beauté s'affiche en outre à travers la métaphore vive couleur au vers 3. Qui fait référence au teint de Marie. C'est pourquoi nous citons la terre. La terre est le ciel. Employé allégoriquement grâce aux majuscules, renforce la beauté
de Marie. Les allégories. La grâce. L'amour. Relève. Relève aussi de la beauté de cette femme. Alors, puisque nous avons deux axes, nous avons dit que nous avons deux sous-axes. Le premier, c'est la beauté de Marie, et le deuxième, c'est la jeunesse. Alors, nous pouvons insérer, utiliser un connecteur logique pour passer à ce deuxième sous-axe. On ne va pas le faire brutalement. Il faut que le style soit souple et limpide. Alors, on peut prendre par ailleurs la beauté de Marie. Par ailleurs, la beauté de Marie se traduit par sa jeunesse. Par sa jeunesse. Une jeunesse mise en évidence par l'usage des expressions nous les citons puisque relevés dans le texte. Belle jeunesse, c'est au vers 2. Première fleur, également au vers 2. Nous avons jeune nouveauté. Jeune nouveauté au vers 9. Les adjectifs. Les adjectifs. Qualificatifs. Les adjectifs. Qualificatifs. Nous revenons ici. Les adjectifs qualificatifs. Nous avons belle, belle et jeune. Belle et jeune. L'adjectif numéral, ordinal, première, au vert. Au vers 2, repris au vers 9, au premier et mystiche, particularise. Particularise
cette jeunesse. C'est donc une jeunesse exceptionnelle et rare. Bien, on va Nous avons donc là rédigé le premier centre d'intérêt à partir non seulement des éléments que nous avons identifiés dans le texte, mais également des sous-thèmes que nous avons énumérés. Et nous avons, au fur et à mesure de notre analyse, inséré tous ces éléments dans le discours. C'est ainsi qu'il faut procéder lorsque vous serez en face de cet exercice, le commentaire composé. Alors, lorsque vous serez à la maison, vous travaillerez sur le deuxième centre d'intérêt en suivant le même processus. Alors, le deuxième centre d'intérêt que vous allez exploiter à la maison, je mets ici examen du centre d'intérêt numéro 2. Alors, nous avons dit qu'il s'agit de le caractère, donc le caractère et éphémère de la vie. Donc, vous aurez deux activités à faire. Donc, petit 1, identification des éléments. Identification des éléments justifiant ce centre d'intérêt. Deux, des définitions des sous-axes et troisième activité que vous ferez, c'est rédaction du centre d'intérêt numéro 2. Vous ferez exactement ce que nous avons fait, vous relisez le texte. Vous identifiez les éléments qui justifient le caractère éphémère de la vie. Ensuite, vous définissez les axes, les sous-axes. Les sous-axes ne relèvent pas du hasard. Ils sont dictés par la récurrence des éléments du texte. Les éléments qui reviennent souvent dans le texte vous permettent naturellement de définir les axes de votre développement. Donc, ça ne sort pas du néant. Et enfin, vous allez rédiger le centre d'intérêt comme nous l'avons fait en insérant les éléments du texte. Voilà, chers élèves, ce que nous avons tenu à partager avec vous aujourd'hui, en remerciant naturellement le MEPSA pour cette opportunité qu'on nous donne de renforcer nos capacités, nos compétences à la maison. Et donc, la séance d'aujourd'hui a pris fin. Nous nous retrouverons très bientôt. Au revoir.